Et nous voilà partis pour une expédition. Qui change un peu des randonnées avec la famille. Des lumières, moi. Bon, c'est un peu caché, hein. Il y a juste une montagne, un sentier. Et le reste, on le trouve sur internet. On fouille un petit peu. Donc, le but ce soir, c'est de dormir où ça? Dans la grotte. Dans une grotte. Mais pas n'importe quelle grotte. Une grotte très très noire. Et une grotte préhistorique. Eh oui. Donc là, le chemin est de plus en plus étroit. On a mis parcours, je pense. On va bientôt arriver à la grotte. Merci. C'est un site d'escalade à la base. Bon, la grotte est pas cachée, elle est juste devant vous. Sauf qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont dedans. À part avec des équipements, mais de ce que j'ai vu, on pourrait y aller sans corde. On a des repères, on a un plan. On va voir ce que ça donne demain matin. Cette voûte, elle est incroyable. Incroyable. Rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Voilà, donc il n'y a pas de grotte sans flambeau. Hein. Et on vous voit. Donc voilà, et puis il y a un meilleur. Je pense qu'il y aura une meilleure visibilité avec un flambeau qu'avec une frontale qui fait quand même très très linéaire. Donc du coup, on prend un bâton, on enlève l'écorce. Bon, après, pour l'aspect visuel, j'ai enlevé quand même la première couche au couteau. On éclate un t-shirt en lambeaux, on serre vraiment les bandes au maximum, on fait plusieurs nœuds, on superpose les tissus. Et puis après j'ai rajouté quand même du fil de fer tout autour du tissu pour jouer la sécurité à fond. Voilà le résultat. On verra bien ce que ça donne. Et là... Alors c'est pas nous qui l'avons fait, le foyer il existait déjà, on va l'utiliser. Des petites bouloches, du sèche-linge, récupéré à la maison avant de partir. Les petites bouloches ici. Ici, oui. Des petites feuilles. Le fameux Fire Steel. Alors ça a l'air d'un gadget comme ça, mais ça a été quand même inventé par des Suédois. Ouais, et c'est inusable. C'est un briquet qui n'a pas besoin de gaz, qui n'a pas besoin d'essence. Papa va jamais arriver, je crois. Merci. Merci, Moka. Ça y est. Voilà, c'est une barrette en ferrocérium et ouais. On utilise un grattoir métallique pour faire l'étincelle et ça peut créer des étincelles à 8000 degrés. Donc c'est vraiment le top, on peut l'utiliser vraiment dans toutes les conditions et on peut même allumer un réchaud. Avec. Et voilà. On a fait notre feu. On a fait notre feu. Pendant que maman prépare le déjeuner, l'apéro, du saucisson. Alors ça c'est Nolan qui l'a fait, en fait c'est des bougies, vous savez les petites bougies dans les supports en alu. Et demain, ou ce soir, je sais pas, on verra, on le fera chauffer dans ce seau, hein. Tant pis pour le seau. Ce sera tout liquide et on en mettra plein sur le t-shirt du flambeau. Et puis je sais où il est. Comme ça c'est comme du pétrole, hein, c'est de la paraffine. Donc du coup on pourra faire notre expédition avec ça. Voilà. Regardez quand c'est sur le pain.
Ah. T'as la fille sur ton jogging, tu vas te brûler le kiki, mon gars. Tu brûles le kiki. Alors, qu'est-ce qu'elle nous prépare, maman? Des petites bananes au chocolat. Waouh. Des bananes au chocolat. Oh la classe. J'allais manger un pachamo d'outre. Voilà. Mmh. Au chocolat. Mmh. Oh là là. Le flambeau est prêt. Donc on a campé là. Voilà, on est les seuls. Si un monsieur qui est venu dans la soirée profiter de notre feu un petit peu. Pas très bavard. T'as entendu du bruit toi? T'as entendu du tout le bruit? Bizarre, on est toujours habitué à entendre les animaux, les chouettes, les oiseaux le matin. Ben là, silence radio à part la route qu'on entend au loin. Voilà. Et puis là, on va ranger toutes les affaires. On va partir. Non, on va pas partir. On va les mettre dans la voiture. Et après, on va commencer notre XP. Dition. Et voilà. C'est parti pour l'expédition. Ah oui. Allez go. C'est parti. Quittons, fais attention. Oh putain, ça va être dur. On dirait des dents. Ouais. Non mais ça vient juste de le faire. Moi ça ressemble à un bonbon. Il y a deux yeux. Ah oui. Ah ouais. Énorme. C'est mon premier dessin. J'ai mon premier dessin. Bon voilà, le seul moyen de ne pas se perdre, on a installé une petite ficelle. Bon, on a pu récupérer un plan aussi sur internet, mais bon, on ne sait pas lire les plans des grottes, donc voilà. Et celle qui a notre vie en jeu, c'est Alexandra. Allez Spider-Man, lève la tête, regarde où tu vas. Oh, il y a une cheminée là. Hop,
plus de piles. C'est bizarre parce que là on capte et je vois de la lumière du jour. Non, non, non. On sent bien l'air. Je sais pas où on est. Mais on y est. Allez, va le dire. Oh putain. Alors, on va voir si ça marche. Allez, c'est parti. Voilà. La cire, elle est un peu solidifiée de ce qu'on a mis là. La cire de bougie hier. Et voilà. Le premier flambeau de Vincent Renaud. Et si on se perd, on se perd, papa. On va pas se perdre, le petit bout. Hop. Vous n'avez pas cassé le fil, j'espère. Non. Ouais. Oh putain, tu vas faire tomber du feu, papa. Et ça y est, on est arrivé. Mais moi j'ai trouvé la sortie. Bon mais voilà, ouais, on est sorti par la petite porte. Papa. Alors c'était bien les petits loups ou pas? Oui. Ouais. On va aller poser ça là. Ça met un peu de temps à démarrer, mais ça marche vraiment très très bien. Papa. C'est fini notre expédition. Papa. Allez, salut.